c'est tous les lots de vos collègues qui vous ont abandonné. All right, who shoot first? Mr. Petit, how would you characterize the U.S.-Canadian relationship today? Good. Good? Yeah. Compared to previous years, you don't see any problems or any challenges? There's always problems. You have problems in your shop. Are problems in the municipalities, in the provinces. So there is always, between no nation, some problems that we're there to solve them. There's nothing on the horizon that seems to be a big preoccupation. Quels sont les problèmes, justement, à régler, ces problèmes mineurs-là que vous dites? Ben, il y avait le problème de la frontière et des gens qui veulent devenir des réfugiés d'une part ou d'autre. Alors, c'est un problème. Pour les Américains, le problème avec le Canada, c'est rien comparé au problème qu'ils ont dans le Sud. Alors, et les autres problèmes, il y a toujours le problème de la nouvelle loi que le gouvernement américain vient de passer, où ils sont devenus très protectionnistes, alors qu'ils ont une entente de libre-échange avec nous. Et ça, c'est un problème qui peut causer des conséquences à notre économie. On gère comment ce problème-là? Ben, je ne suis plus premier ministre, mademoiselle. Beaucoup d'expérience. Alors, c'est ça, un autre. Ouais, yes. Comment vous comparez avec ce que c'était avec Donald Trump à l'époque? Ben, je n'étais pas là avec Donald Trump. Ah, puis je ne l'ai jamais manqué. La joie d'entendre sur les divers pays sûrs dont on est... Excuse-moi, là. I have to be. What do you think Canada can do to combat the American protectionism we're seeing today? To talk with them and to tell them, look, you sign an agreement with us that there will be no protectionism between the two nations. The NAFTA, I signed it. It was not finished. Started by Maroney, but it was not finished, and I finished it with, he had started with George Bush Sr., but I finished it with Bill Clinton. So they have to respect the treaty. How should we respond to the American pressure to intervene in Haiti? You know, we should do our part. I think we should do something. It's very important. But it's better to know exactly what will happen after we agree. You're running the risk to be alone there. I've seen situations like that before. So it's very nice to do what we have to do, but we cannot take the full responsibility. Mr. Gretchen, there's been a lot of allegations and leaks about Chinese interference in Canadian elections. Can I ask you what you think of that and whether you think there should be an inquiry? You know, they have resolved the problem. Somebody looks after that at this moment. So I don't want to pass a judgment for him. Hier, vous avez dit que ce n'était pas un gros problème. Vous avez dit ça à la télévision. Vous pensez pas que les jeunes chinois étaient un gros problème? Écoutez, si c'est le plus gros problème qu'on a au Canada, on est en sacré bonne forme. Est-ce qu'ils sont intervenus aux élections? Je ne sais pas. Même moi, je suis intervenu dans les élections. Ben, à peu près Ben non, j'avais dit à New York, à un moment donné, à Washington, j'avais dit Larry Clinton avait eu une grippe, une pneumonie, et j'avais dit, il y a des médicaments pour les pneumonies, mais il n'y a pas de médicaments pour la stupidité. Je n'ai pas nommé personne. Mais on me dit, je m'étais mêlé des choses qui ne me regardaient pas. Ça m'est arrivé aussi aux Philippines. Et durant le référendum, les péquistes étaient bien contents quand Chirac avait dit quelque chose, puis ils étaient bien en maudit quand Clinton a dit quelque chose. Ça arrive. C'est la vie. Next. Last one. On dirait que vous minimisez le problème de l'ingérence chinoise. Ça je ne sais pas. Dites-moi donc, quelle est l'ingérence chinoise? Dites-moi donc, qu'est-ce qui est arrivé? Non, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Mais comment, combien? Il n'y a personne qui peut donner plus que 1 500 $ à un candidat. Sinon, c'est illégal. Je ne sais pas. Il y en a quelqu'un qui vient d'être nommé pour décider ça. Pas pour faire sa job. Ça ne me regarde pas. Seulement, si vous avez ça comme seul problème, on est en très bonne position au Canada. Est-ce que ça vous manque, le pouvoir, M. Crétier? Pardon? Est-ce que ça vous manque, le pouvoir? Non. Je vous manque, vous autres, mais, mais pas le pouvoir. Salut. Merci.